un livre très récent. Il a été écrit en 1966. Mais comme Goethe le disait, le grand public pense que les livres, c'est comme les œufs. Ils gagnent à être consommés frais. Eh bien, celui-là, c'est pas le cas. Ni l'un ni l'autre, je choisis un ouvrage en fonction de mes travaux d'écriture et mes projets de formation. L'absence de routine en contre avec les professeurs de Sciences Po comme Bertrand Batty et Pascal Perrineau. Incontournable pour qui? Certains livres sont prétendus incontournables et d'autres pas. Il y a des livres que j'ai lus comme celui de Houellebecq, La carte et le territoire, qui s'est révélé incontournable. Ce n'était pas le cas au début quand j'ai commencé à le lire. Le sablier du temps s'écoule.